je suis émerveillée parce que je découvre ce matin, Fabienne, que Dieu a tout prévu. I'm amazed this morning. Today, Pastor Catherine, the Lord has prepared everything. Dieu a tout orchestré. Et organized everything. Yes. Dieu a tout mis en place pour que nous entendions sa voix retentissante. He made everything into place so that we can hear his loud voice. Ça a commencé avec le choix des chants. It started with the songs. C'était suivi de l'intervention de Pasteur Jean-Pierre. And then the Pastor Jean-Pierre intervention. Qui a prêché la moitié de mon message. He preached half of my message. Mais je suis bénie d'être avec vous, mes frères et sœurs, pour entendre les battements du cœur de Dieu ce matin. I'm so blessed to be with you, my brothers and sisters, just to listen to God's heartbeat. Alors, je vais vous raconter une histoire. I'm going to share with you a story. Pendant le jeûne de Daniel, Dieu m'a dit ceci. During the Daniel fast, the Lord told me the following. La prochaine fois que tu prêches au Bon Berger, le thème sera le suivant. Next time you will be preaching in Bon Berger, the theme will be the following. Ne crains pas le combat. Do not fear the fight. Déjà, c'est ça qui résume en une phrase le message de Dieu pour son peuple ce matin. In one sentence, it just sums up the word the Lord has for us today. Ne crains pas le combat. Do not fear the fight. Chose intéressante. So very interesting thing. Le lendemain de la fin du jeûne de Daniel. So the day after the end of the Daniel fast. On m'a contacté pour savoir si j'étais disponible pour prêcher aujourd'hui le 22 octobre. I was contacted just to know whether I available to preach on this Sunday. Parce qu'à ce moment-là, c'était l'invitation venant de Bretagne. Pour Pasteur Robert. Because at that time, Pastor Robert had received an invitation to preach in Brittany. Donc j'ai regardé le calendrier, j'ai vu, ah oui, j'ai pas d'autre engagement, me voici. And I said, oh yes, it's possible, so here am I. Mais n'oubliez pas, Dieu m'a déjà donné le thème il y a un mois. But remember, the Lord gave me the theme 1 month ago. Après le jeûne, on est parti en Israël. After the Daniel fast, we went to Israel. Pour la fête des tabernacles, tout s'est passé, très bien passé. Or the feast of the tabernacles, everything went fine. Le 5 octobre, on a pris l'avion pour prêcher en Bulgarie le week-end du 7-8. And on the 5th of October, we took the flight and went to Bulgaria to preach there the following weekend. Et j'avais déjà commencé à réfléchir un peu sur ce thème, ne crains pas le combat, sans savoir le pourquoi vraiment. And I had started thinking about this theme without knowing exactly why. Le samedi 7 octobre, la guerre s'éclate en Israël. And on the Saturday, on the 7th of October, war broke out. Et c'est très intéressant, Pasteur Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, tout ce qui se passe en Israël a une signification pour nous, le peuple de Dieu. And very interesting to know that everything which is happening in Israel will have an impact and a meaning for us, people oui, of God. C'est ça. C'est prophétique, c'est symbolique de quelque chose qui se passe dans l'esprit. It's always prophetic and symbolic what's happening there. En même temps que Dieu dit à Israël, ne crains pas le combat. At the same time, the Lord says to Israel, do not fear the fight. Dieu dit à son église en France, ne crains pas le combat. The Lord is saying to his church in France, do not fear the fight. Et je suis persuadée que le Saint-Esprit veut libérer et redresser et mobiliser son peuple plus que jamais. And I really believe that the Lord wants to set free, mobilize and stand up his people today. Merci, Pasteur Jean-Pierre. Amen, Pasteur Jean-Pierre, yes. Vous ne partagez pas ma conviction? You disagree with that? Je vais le redire. I'm going to repeat it then. Le Saint-Esprit veut libérer, redresser Amen. Et mobiliser son Église en France. The Holy Spirit wants to set free, to mobilize and make his people stand up in France. Amen. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. I have a good news and a bad news. Là où Dieu veut t'amener, mon ami, il y aura du combat. The place where the Lord wants you to go, there will be fighting, fight. C'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. It's good news and bad news at the same time. Si Dieu veut que tu lèves ta voix, il y aura le combat. If the Lord wants you to raise up your voice, there will be a fight. Si Dieu veut que tu prennes ta place dans ses desseins éternels, il y aura du combat. If the Lord wants you to be in your destiny, there will be a fight.
Si il veut que tu t'engages davantage, il y aura le combat. And if he wants you to commit yourself a bit more, there will be a fight. Si Dieu veut que tu saisisses ton héritage, ta terre promise, il y aura le combat. And if the Lord wants you to take hold of your promises and your, your inheritance, there will be a fight. Mm-hmm. Yes. Chaque fois que Dieu veut t'amener plus loin, il y aura un combat. Each time the Lord wants you to go, for you to go further, there will be a fight. Et c'est pour cela, mes amis, il n'y a pas de place pour l'indifférence. That's why there is no place for indifference. L'ignorance. Ignorance. La passivité. Passivity. Ou la peur. Or fear. Je pense qu'aujourd'hui, à la fin, avant de se quitter, on va pouvoir tous ensemble renoncer à ces quatre choses. And I believe that before the end of this message, we will have the opportunity to renounce to all these four things. Qu'est-ce que je viens de dire? Indifférence. Passivité. Ignorance. Et ignorance. Passivité. Peur. And fear. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que le combat fait partie du royaume de Dieu. You know why? Because fighting is part of the kingdom of God. Ça se trouve dans Matthieu 11, 12, par exemple. For example, in Matthew 11, 12, there is an example of it. Je vais commencer dans le Nouveau Testament. I'm going to start in the New Testament. Parce que nous savons que l'Ancien Testament est l'ombre des réalités spirituelles pour nous. Because we know that the Old Testament is like a shadow of the true and the true realities in the New Testament. Le point de départ, c'est la nouvelle alliance que Dieu a fait avec nous. But the starting point is a new covenant the Lord made with us. Et c'est Dieu, c'est Jésus lui-même qui a dit en Matthieu 11, 12. And Jesus said in Matthew 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste déjà. Jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. C'est un verbe qui veut dire capable d'endurer. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has suffered violence. And this word means to endure. Capable de courir avec force. Be able to run with strength. Avec passion. With passion. Et avec intensité. And with a full intensity. C'est ça le mot qui décrit le royaume de Dieu. That's the word for. Yeah. Le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. And the violent take it by force. Ça veut dire qu'il y a un peu d'énergie. It means there is quite a little bit of energy in this. You have to invest le royaume de energy Dieu. In the kingdom of God. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, Fabienne, que parfois le Seigneur dit réveillez-vous. And perhaps that's why sometimes the Lord tells us wake up. Parce qu'il veut réveiller le courage et la foi et l'énergie chez son peuple. Because he wants to wake up, you know, the energy and the courage in his people. Ce matin, quand mon réveil a sonné, mon corps ne voulait pas sortir Same du with lit. Me. Toi, pareil. Yes. So when the wake up woke up and rang, I didn't want him to come wake up. Mais merci Saint-Esprit, c'est toi qui nous dis réveille-toi. But thanks to Holy Spirit, he's he who say just wake up. Donc, on jette la couette de côté. We just put out the blanket. The quilt, yes. Yes. On se redresse. And we stand up. On plante ses pieds par terre. Put our feet on the ground. On lève les mains. We raise up the hands. On commence à louer Dieu. We pray the Lord. Et tout d'un coup, l'esprit en nous qui est réveillé commence à réveiller le corps. And suddenly the spirit is just starts to wake the body. Wake up your body. Wake exact. Up the body. Thank Et you. L'âme. And the soul. Et là, on est mobilisé selon l'esprit. And then we are mobilized according to the spirit. Et pas selon la chair. And not according to the flesh. Parce que la chair cherche toujours le confort. Because flesh looks for, security and. Qu'est-ce que comfort. Jésus a dit quand il était sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean? What did Jesus say when he was on the mountain with Peter, James and John? John, thank you. La chair est faible, mais qui est bien disposé? The flesh is weak, but who is well available to go? I think it says in English, the flesh is weak, but the spirit is willing. Amen. Quelque chose comme ça, n'est-ce pas, les amis? Amen. Okay. Donc, ce qui veut dire que nous sommes un peuple conduit par notre esprit et non par la chair. It means we are people led by the spirit and not by the flesh. Est-ce que je suis à la bonne adresse? Am I at the right address? Okay. Yes. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Matthieu 11, 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le royaume des cieux ne cautionne pas
la passivité. So it means that the kingdom of God does not function with passivity. Ou l'ignorance. Or ignorance. Ou l'indifférence. Or indifference. Même pas la négociation. Or even negotiation. On est fort en négociation. We are very strong in negotiation. Yes. Yeah. Même nulle part dans les Écritures, vous allez trouver que la Bible supporte ou soutient la neutralité. And even nowhere in the Bible you see that neutrality is a good thing. La neutralité n'est pas un concept biblique. It's nothing to do with biblical concepts. Donc, ne crains pas le combat. Donc, do not fear the fight. 1 Timothée 6:12. 1 Timothy 6:12. If you have your English Bible, please follow along as we read it in French. Amen. La parole que Paul a prononcée sur Timothée est la parole que notre Père céleste prononce sur chacun de nous. So the words that actually Paul addressed to Timothy is actually the same word the Lord is addressing to us now. Il dit ceci: écoute mon enfant, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as été fait une belle, tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Pourquoi êtes-vous sauvés? Why are you saved? Pourquoi êtes-vous dans la famille de Dieu? Why do you belong to the family of God? Pourquoi êtes-vous dans le royaume des cieux? Why do you belong to the kingdom of heaven? Pour combattre le bon combat de la foi. To fight the good fight of faith. Pour saisir la vie éternelle. To take hold of eternal life. On dit souvent la vie éternelle c'est gratuite. We often say that eternal life is free. Mais cette bouteille d'eau elle est gratuite pour ceux qui la saisissent aussi. It's a free bottle as well for those who are actually grasping it. Elle est posée. Elle est disponible. Here, available here. Mais si on ne la saisit pas, elle reste intouchée. But if nobody actually grabs it, it will remain untouched. Donc il nous faut comprendre ce combat, ce bon combat de la foi pour saisir ce que Dieu nous a donné. So we have to understand the good fight of faith to actually take hold and grasp what the Lord has given us. Et un dernier verset pour l'introduction. On est toujours dans l'introduction, d'accord? We're still part of the introduction. So last word, last scripture. Vous allez retrouver Apocalypse 12. So Revelation 12, versets 7 à 8, qui m'a beaucoup parlé avant-hier. Verse 7 to 8 spoke quite much to me today. Follow along if you're reading in English. Apocalypse 12, 7 à 8. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel, c'est un archange, et ses anges combattirent contre un dragon, un gros monstre quoi. Mais regardez la suite. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Amen. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Là, c'est une révélation. That's a revelation here. Notre ennemi peut paraître énorme. Our enemy could look like a big. Il peut cracher du feu comme un dragon. He could, you know, spit like a dragon. Mais il n'est pas le plus fort. But he's not the strongest. Comment David il a vaincu Goliath? How did David actually overcame Goliath? Il connaissait son Dieu. He knew his God. Il focalisait sur Dieu. And he was just watching at God. Il ne focalisait pas sur la taille du géant. He wasn't looking at the size of the giant in front of him. La mocheté de ce monstre qui menaçait le peuple d'Israël. How horrible and you know how horrible it was this monster. Non, cet ennemi était là pour intimider. So this enemy was here to intimidate. Chose qui est souvent le cas avec notre adversaire. Which is still the case with our adversary enemy. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lance toutes sortes de mensonges. So what does he do? He just spits every sort of lies. La seule manière que l'ennemi peut te vaincre, c'est si tu crois à ses mensonges. The only thing that the enemy can do at you and triumph over you is if you believe in his lies. Il s'appelle le père des mensonges. He is the father of the lies. C'est-à-dire qu'il ne
peut pas engendrer autre chose que mensonge. It means it cannot birth out anything else than lies. Et à chaque fois qu'il te souffle dans l'oreille, and each time he's just murmuring something in your ear, ou qu'il te fait voir la grandeur de l'adversité, or if he displays to you how big is the adversity, ou te fait subir des circonstances malheureuses, or if you're actually suffering a very difficult times, c'est là qu'il peut semer dans ton âme des mensonges. Then in this time he can sow lies in your soul. Et si ces mensonges restent et s'enracinent dans votre âme, and if those lies actually remain and just take root in your soul, tu deviens victime à la place de vainqueur. You become a victim instead of a conqueror. Mais qu'est-ce qu'on vient de lire? So what did we read here? Ce dragon et ses anges ne furent pas plus forts. The dragon and his angel fought back that they were not strong enough. They did not prevail. Ceci n'a pas changé depuis. And it's still the same today. En fait, ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, c'est un message, oui, pour chaque membre du Bon Berger. So the message I have is for a message for each one of us here. Mais c'est aussi pour chaque croyant dans le corps de Christ. As well for each believer in the body of Christ. Vous savez, une église apostolique n'a pas peur du combat. You know, an apostolic church that is not afraid of fighting. Je dis merci Seigneur pour la transition que nous avons enclenchée depuis le jeûne. I said thank you Lord for all the transmission, you know, we have started since Daniel 5. Au sein de cette église. In the middle of our church. Parce que Dieu a mis en place une équipe pastorale hors pair. Because the Lord put into place a pastoral team, a great one. Des vrais bergers qui s'occupent du troupeau. True shepherds are taking care of the flock. Qui reflètent le cœur du bon berger, du grand berger. We really have the father and good shepherd's heart. Et simultanément, il a fait naître le noyau d'une équipe apostolique. And at the same time, he gave birth to a new embryo of the apostolic church team. Yes, very good. Merci Fabienne pour le travail excellent que tu fournis à chaque fois, franchement. Thank you. Merci Seigneur. Donc nous voyons que Dieu fait du bon berger une église avec un cœur de berger et un mandat apostolique. So we see that the Lord is doing something at the same time, a heart for a pastoral heart and as well an apostolic heart. C'était sans doute la vision de Dieu pour cette communauté dès le départ. It was probably what the Lord had in view for this particular church from the beginning. Mais on était peut-être un peu lent à comprendre. But we were a bit slow to understand it. Mais merci Seigneur, c'est lui le chef. But thank you Lord, he's the boss. C'est Jésus qui bâtit son église. It's Jesus who's building his church. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. And the doors of hell will not prevail against the church. Pourquoi? Parce qu'elle a saisi la vie éternelle. Why? Because this church grasped the eternal life. Parce qu'elle n'a pas peur du combat. Because she's not afraid of fighting. L'église de Dieu se lève. The church of God is standing up. Avec un cœur d'épouse. With a heart like a wife, wife's mm-hmm. heart. A bride, maybe. Wife's heart, yes. Et avec un cœur du combattant, simultanément. That is with a heart of a fighting heart, at the same time. Chaque fois que Dieu s'adresse à nous, son peuple. Each time the Lord is talking to us, his people. Il va déposer quelque chose qui inspire l'intimité. He will make a deposit in us which will help us to go into more intimacy with him. Et qui fortifie le courage. And which will strengthen our courage. Qui renouvelle la foi. And which will renew our faith. Parce que ça fait partie de qui il est. Because it's part of what he is. Cœur du berger. So the shepherd's heart. Mandat apostolique. An apostolic mandate. Et je rajouterai en parenthèse expression prophétique aussi. And as well a prophetic expression. Mais c'est un autre message pour un autre It's jour. It's another for another time. Avançons. So let's go forward. Qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans le combat? What prevents us from getting into the fight? Je ne pense pas réellement que c'est l'ignorance. I don't really think it's ignorance. Après tout ce qu'on a entendu ces dernières semaines. After everything we've heard these past weeks. Sur les principautés, les dominations, les pouvoirs. Regarding the principalities, the powers and dominions and everything. L'armure, les armes que Dieu nous a données. The armor and the weapons the Lord gave us. À saisir. And to grasp. Je ne pense pas que quelqu'un peut dire, ah bon? I don't think somebody can say, oh really, I didn't know that.
Non, l'ignorance, c'est pas une raison. No, ignorance is not the right reason for that. C'est plutôt parce qu'un esprit de peur s'attache à notre âme, à notre émotion humaine. It's more because a spirit of fear is trying to attach to our soul. Parfois, on a du mal à s'en débarrasser. And sometimes we have problems to get rid of it. Mais chose intéressante, j'ai découvert que Jésus a rarement réprimandé les gens pour leur peur. But I discovered that Jesus didn't say to them, "Oh, you are afraid." Reproach them. No, he didn't. Il a réprimandé son peuple pour leur manque de foi. He was, on the contrary, not happy when the people were lacking faith. Et il y a une différence entre avoir peur et manquer de foi. And there is a difference between having fear and lacking faith. Mais c'est quand même lié. But it's there is a connection between the two. Tu choisis, mon ami, ce que toi tu vas alimenter. You choose actually what you will be nourishing. What will feed? What will you be feeding? What you will be feeding? Okay. Tu choisis d'alimenter ta foi. So either you choose to feed your faith, ou tu choisis d'alimenter la peur. Or you choose to feed your fear. C'est simple, deux It's choix. Very simple, two simple choices. Tu peux alimenter la peur par ce que tu entends dans les médias, you par exemple. You can feed your fear by what you are hearing in the news, for example. D'ailleurs, c'est une stratégie bien précise qu'a Hamas. That's very specific strategy that the Hamas and other terrorists are using. Ils font peur. They make people afraid. Ils propagent des mensonges. They widespread lies. Rien que, pas plus tard que ce matin, j'ai lu quoi. And Israël, even this morning, yes. Israël a attaqué deux sites en Syrie. That Israel actually attacked two locations in Syria. Cinq minutes plus tard, c'était suivi de ah non, c'est du fake news. And 5 minutes later, I said, no, no, it's a fake news. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut semer la confusion par ses mensonges. Because through the lie, the enemy wants to sow confusion. Oh, ça reflète vraiment le père des mensonges. It's really coming from the father of lies. Les mensonges du diable sont du fake news. All the lies of the devil are just fake news. Dis-le à ton prochain. Tell it to your neighbors. Les mensonges du diable sont du fake news. Amen, amen. Alors, il faut effacer cela de so nos âmes. So we have to erase that from our souls. Tu choisis, mon ami, ce que tu so vas alimenter. So you are choosing what you are feeding. Ta foi your ou bien faith ta peur. Or your fear. Donc, les deux manières de surmonter la peur. How to overcome fear. Deux petites astuces que je vais partager avec vous aujourd'hui. I give you two hints I'm going to share with you. Première chose. The first one. Il faut anticiper le combat. Just anticipate the fight. On ne va pas être comme des autruches qui cachent We're not leur be like tête dans le sable. Autruche. Ostrich. Ostrich. You know what an ostrich is? In the sand. C'est un animal, quand il a peur, il ne peut pas courir, il ne peut pas voler, donc il cache sa tête dans le sable. He cannot fly, he cannot run, so he just put his head in the sand and he's not afraid anymore. Croyez-vous qu'il va se faire dévorer par le lion ou pas? Do you think that in that case he will escape from the lion? Il n'est pas là, le lion! No, he's not here, the lion, I'm sure. Mais non. Il faut savoir que le combat spirituel est une réalité pour la vie chrétienne. We have to know that spiritual warfare is a true reality. Donc, nous allons anticiper les combats. So we're going to anticipate the fights. Dès le jour où on est né de nouveau. From the day we were newborn. Il y aura des baptêmes ce mois-ci ou we'll le mois prochain. New baptism or this month or next month. Yes. Ne croyez-vous pas que ces candidats de baptême seront bien ciblés? Don't you think that those candidates will be targeted? Et ne croyez-vous pas que vous, en tant que frères et sœurs en Christ, vous avez avec nous la mission de prier pour eux? And don't you think that you and me, we have this mission to pray for those candidates? De les entourer par notre amour et notre intercession? Just to surround them by our love and our intercession. Devenir pour eux un bouclier d'amour pour repousser? So that we can become for them a shield and just to push back the devil. Les mensonges du diable et le diable, exact. Yes. Deuxième chose. So second point. Pour surmonter la peur. To overcome fear. Pasteur Jean-Pierre le dit souvent. So Pasteur Jean-Pierre tells this quite often. Saisir et utiliser tout ce que Dieu vous a confié. To grasp and use everything the Lord has entrusted you. Il vous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la victoire, à la piété, à la sainteté. He gave you everything which will be needed for life, for victory, holiness, Amen. And so on. Donc deux petites choses à retenir pour éviter ce piège qu'on appelle la peur.
And two hints, you know, two things that we can be using to prevent fear to overcome us. Anticiper le combat. To anticipate the fight. Et saisir, se préparer, saisir tout ce que Dieu nous a and donné. Get ready and receive and grasp everything the Lord has given us. Saisir, comme dit souvent Pasteur Jean-Pierre, les armes offensives et défensives. To grasp the offensive and defensive weapons. Pourquoi pensez-vous que nous lisons et relisons Éphésiens 6, 10 à 18? We read and read again Ephesians 6, 10 to 18. On a beaucoup prêché sur Éphésiens 6. We preach quite a lot on Ephesians 6. On a beaucoup entendu sur Éphésiens 6. We heard about a lot about Ephesians 6. Mais ma question pour vous aujourd'hui, c'est la suivante. But my question for you today is the following. Est-ce que vous le mettez en pratique? Do you put it into practice? Après ton moment de louange. After your time of praise and worship. Le matin. In the morning. Après ta rencontre avec Dieu. After you have actually met the Lord. Est-ce que tu es intentionnel? Are you actually intentional? Dans l'application de toute l'armure de Dieu, de la tête aux pieds. The fact that you are just dressing in the armor, the whole armor God has given you. C'est une question qu'il faut se poser. It's a question we have to ask ourselves. Parce que sinon l'armure reste dans le placard. Otherwise, the armor will remain in the cupboard. Et ça ne sert strictement à rien. And it's used nothing. Donc clôturer son temps d'intimité avec Dieu. So when you finish your early morning with your Lord. Avant de quitter la maison. Before leaving the house. Avec ses gestes intentionnels. With his intentional gestures. Je mets maintenant le casque du salut. I put my helmet of salvation. Ce casque est mon identité. So this helmet is my identity. Je suis sauvé, racheté. I am saved and redeemed. Et c'est ce casque qui protège ma pensée tout au and long de la journée. This helmet protects my thoughts all day long. Je mets la cuirasse de justice. And I put on the breastplate of righteousness. Yes, breastplate of righteousness on. Et je sais que cela protège mon cœur et mon âme, mon être entier. It will protect my whole body, my whole heart and soul. Cette justice ne vient pas de moi-même. This righteousness doesn't come from me. Parce que celui qui n'a connu aucun péché. Because the one who actually didn't sin. Est devenu justice pour moi. Became justice for me. 2 Corinthiens 5, 21, je pense. 2 Corinthiens 5, 21. OK, donc on saisit so la vie éternelle, saisit la protection. Of the eternal life, this protection. Saisit les armes. You're just taking hold of the weapons. Saisir, brandir l'épée de l'esprit. And take hold of the sword of the spirit. Et le bouclier de la and foi. The shield of faith. Mettre la ceinture de la vérité. And the vérité. Shield of truth. Vous voyez, il faut qu'on soit intentionnel. So we need to be intentional when doing that. Et les parents, il faut que vous appreniez cela à vos enfants depuis and tout parents, petit. And parents, you need to teach your children as soon as they are young. Parce qu'eux aussi sont ciblés. Because they are targeted as well. Et tu ne les laisses pas sortir de ta maison sans la protection de Dieu. And you don't let them go away from your house without God's protection over them. Et finalement, on va chausser les and pieds. We put on what? Avec l'évangile de the shoes with the zeal of the gospel. Voilà. Vous savez, je n'aime pas les chaussures fermées. I don't like closed shoes. C'est pas du tout mon truc. It's not my thing. Vous me verrez souvent chez moi, même en hiver, en tongs. During the winter, even I have some tongs. Mais ce serait absurde de sortir dans l'hiver avec des tongs. But it's nonsense to go out during the winter with tongs. Si les pieds ne sont pas correctement chaussés, if the feet are not correctly, you know, chaussés, covered, yes, say, okay, couvert, on souffre du froid. We're going to suffer from the frozen on feet. On a des pieds tout mouillés, s'il vous plaît. We have wet feet. Donc, je m'impose quoi? Des petites bottines pour sortir. So I have little bottines to go out. Mais je veux m'imposer aussi les chaussures de l'évangile de paix but et I ne pas partir de ma maison sans être équipée à annoncer la bonne nouvelle. Amen. But I want to have all my shoes of the zeal of the gospel and not going out without having all my whole armor on. Donc, tout cela fait partie de point numéro 2, se préparer.
So all this belongs to point two, how to get ready. Pour le combat. For the fight. Mais la question peut aussi se poser. But you can ask the question as well. À quelle sorte de combat dois-je attendre? Faut-il attendre? Do I have to expect? Par exemple, un combat pour les âmes perdues. Perhaps a fight for the lost souls. Il y a beaucoup d'âmes perdues actuellement en Israël, en Palestine, au Gaza et tout. There are many, many lost souls in Israel, in the Gaza Strip and everywhere. Et on veut les chercher, les retrouver. And we want to get out and take them back. Mais mes amis, il y a aussi énormément d'âmes perdues dans notre propre pays. But there are so many souls as well, lost souls in our own country. Dans notre quartier. In our neighborhood. Dans notre lieu de travail. In our job location. C'est à nous de se battre pour eux qui marchent encore dans l'obscurité. It's up to us to actually fight the right fight for them to go into the light of God. Se tenant ferme sur la parole de Dieu. Just standing firm on God's word. Le promesse du Sauveur, du Seigneur. And the promises of the Lord who is the Redeemer. Celui qui a donné sa vie who pour les racheter. Gave his life to redeem and save them. Celui qui désire le salut de tous, selon ce que je vois dans la Bible. The one who is actually longing and desiring the salvation of everyone. Donc cela fait partie de notre combat. So it's part of our fight. Qui est prêt à se battre who pour ready to fight les âmes for perdues? Them, for the Amen. Lost souls. Commençons déjà dans nos familles, so dans nos propres familles. First of all in our own family first. Peut-être yes. Vous faites partie d'une famille où tout le monde ne marche pas dans le centre de la volonté de Dieu perhaps encore. Perhaps you're part of a family where not everyone is actually walking straight before the Lord. Mais c'est le moment de s'exercer dans ce combat spirituel. So it's time to get into this practice of this spiritual fight for them. Je crois sincèrement que l'heure de faire la manche est terminée. How do you say that? To beg. To beg, it's right. Time to stop begging. L'église n'est pas mendiante devant the Dieu. The church is not a beggar before God. L'église doit saisir son autorité royale. The church has to grab a hold of its royal et authority and put it into practice. Et l'exercer exactement. L'église est appelée à représenter Jésus. So the church is called to actually represent Jesus. Faire ce que Jésus fait. To do what Jesus does, dire ce que Jésus dit, and say what Jesus says, révéler Jésus en tout lieu, and display Jesus everywhere. Et on vient de chanter sans relâche, tu intercèdes. And without ceasing, you are intercessing. Mais pensez-vous que Jésus est devant le trône du Père en train de supplier, s'il te plaît, papa, fais quelque chose? Saying, Daddy, please do something. Non, il est sur son trône. No, he's sitting on his throne. Il a vaincu le péché et la mort. He overcome the sin and death. Et il intercède pour que toute la volonté du Père soit exécutée and sur la terre. And intercessing and praying so that all God's the Father's will be put into accomplished. Thank you. Yes. C'est-à-dire que nous entrons dans son ministère d'intercession. So that it means that we are sharing, entering into his ministry of intercession. D'autres termes, nous ne faisons pas le combat dans notre force humaine. We are not fighting with our ça own physical strength. C'est une autorité divine. It's a divine authority. En Jésus. In Jesus. En son saint nom. In his holy name. Qui est efficace dans le combat. Which is very efficient in the fight. Et c'est pour cela, mes amis. And so that's why, my beloved. Attendez-vous à faire du combat pour les âmes perdues. So that's why expect to fight for the lost souls. Mais exercez votre autorité au nom de Jésus. And put into practice and use the authority you have in the name of Jesus. Ne tolérons plus des excuses des gens. Do not tolerate the excuses of the people. Menons le combat pour leurs âmes. Just do the fight, the right leur fight for libération. Their souls, so that they're getting free. Pour la révélation. So that they can receive revelation from the Amen. Lord. Amen. Donc ça c'est un exemple. Le combat pour les âmes. Deuxième. So that's one example to fight for the lost souls. Un deuxième exemple, vous allez vous combattre pour votre héritage. A second example is to fight for your inheritance. Dis à ton prochain, say tu dois neighbor, te combattre pour ton héritage, you have mon to grand. Fight for your inheritance, my guy or my girl, yes. L'héritage est en place. The inheritance is here. L'héritage vous est destiné. And is prepared, destined L'héritage for you. Vous est réservé. Is reserved and booked aside et maintenant, for you. Tout comme le peuple d'Israël.
And now, as the people of Israel, on doit se battre pour posséder. Like the people of Israel did, we have to fight notre héritage. To possess and take hold of it. Deux Chroniques, chapitre 20. 2 Chronicles 20. Vous connaissez ce chapitre, je vais isoler deux versets, deux, trois versets. You know this passage, I'm just going to pick up two verses. Parce que les combats que nous voyons dans l'Ancien Testament font partie de l'histoire d'Israël. Because the fights we're actually watching in the Old Testament are part of Israel's history. Pour posséder leur héritage. And it's an example for them, you know, to possess the land and their inheritance. Venant de Dieu lui-même. And was this inheritance was coming from the Lord. Et c'est qui en question dans ce passage? So who am I talking? Ça parle de Josaphat. So we're talking about Josaphat. Et un certain Jaazaziel lui dit, soyez attentifs, Judas, habitant de Jérusalem, et toi surtout le roi. Ainsi vous parle l'Éternel. C'est ça que je veux souligner. Les paroles de Dieu pour le peuple. And I want to underline the words of the Lord for the people. Au seuil de ce grand combat pour son héritage. They were the threshold of this new inheritance. Parce que c'est les mêmes mots que Dieu nous dit ce matin. Because the very same words the Lord is actually addressing us today. Ne craignez point. Do not fear. Ne vous effrayez point. Do not be afraid. Même devant cette multitude nombreuse. Even when facing this multitude. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. You will not be fighting, but God will be fighting. Et puis il donne des directives. And then he gives instructions. Demain, descendez, etc. Tomorrow, do this and this. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. You will not have to fight in this particular case. Présentez-vous. Just present yourself. Tenez-vous là. Just be there, ready. C'est-à-dire, soyez à la place que je vous ai donnée. It means just be at the place I gave you. Et ne craignez point. And oh, pardon, non. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance. And you will see deliverance. Que l'Éternel vous accordera. That the Lord will bring about. La délivrance de vos ennemis pour posséder votre pays. The deliverance from the enemy so that you will be able to possess the land. Et puis, il termine avec ces mots. And then he finishes with the following words. Comme quand il répète, il veut vraiment mettre l'emphase sur quelque he chose. He wants to repeat because he wants to underline it. Et écoutez le cœur de Dieu. So listen to God's heart. Parce que le Saint-Esprit parle à chacun de vous because de la même manière. Because the Lord is actually speaking to each one of you. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Do not fear and don't be afraid. Demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Go out tomorrow and the Lord will be with you. Quand nous nous combattons pour notre héritage, nous pourrons agir avec confiance car Dieu est avec when nous. When we're fighting for our inheritance, we can be confident that the Lord will be actually fighting with us. Dieu agit en notre faveur. The Lord will be acting and moving in our favor. Dieu révèle les complots de l'ennemi. And he will put into the light all the plots of the enemy. Dieu révèle les stratégies appropriées pour gagner la position. And he will reveal the specific strategy, you know, to win and possess the land. Et Dieu protège son peuple par sa présence. And the Lord will be protecting his people by his presence. Le peuple de Dieu est connu premièrement comme un peuple de sa présence. The people of God is known because of his presence, first of all. Même pendant toutes les années que Israël a erré dans le désert. And even during the 40 years in the desert. La réputation s'est propagée. The reputation widespread. Oh, les Israélites arrivent. The Israelites are coming here. Accompagnés de la présence de Dieu. With God's presence. Donc, premièrement, peuple de présence. First of all, the people of the presence. Et c'est à partir de cette enveloppe de sa présence. And it's starting from this envelope of his presence. Que nous participons avec lui. That we take part with him. Dans le combat spirituel. In the spiritual warfare. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? On ne va pas sortir tout seul et faire n'importe quoi. We're not going alone and do nonsense. Troisième exemple. Quelle sorte de combat? So, third example, what sort of fight are we talking about? Un combat pour l'unité. For example, a fight for unity. Est-ce que vous avez constaté un peu le paysage chrétien dans notre nation? Have you noticed the Christian body in our nation? Landscape, yes. Yeah, landscape, yeah. C'est pas encore tout à fait l'unité. It's not totally fully united. On a vu des avancements, merci Seigneur. We saw some improvements, thank you Mais Lord. Je suis
persuadée que Dieu cherche un peuple prêt à se battre pour l'unité. But I really believe that the Lord is looking for people actually ready to fight for unity. Notre ennemi s'appelle l'accusateur des frères. Our enemy is called the accusers of brothers. L'accusateur des the accusers of the brothers. Nous avons des frères et sœurs dans le corps de Christ. We have brothers and sisters in the body of Christ. Mais nous avons aussi des frères aînés en forme du peuple d'Israël. And we have the eldest children who are part of Israel. Qui nous donne qui Israël nous a donné le salut, la parole, Israel les prophètes. The salvation, the word, the prophets, et surtout le Messie. And especially the Messiah. Donc ne soyez pas étonnés si vous suivez les médias. And don't be surprised when you are following along the media. Vous lisez des grandes lignes. You are reading the titles. Et vous trouvez Israël accusé par l'accusateur des frères. And you see that Israel is accused by the accusers of the brothers. Il va toujours mentir, cibler he le peuple élu. He will always lie and target these people. Que ce soit le peuple de Dieu en Israël either ou le peuple of God de Dieu in dans Israel les nations. Or the people of God in the nations. Mais on va regarder un verset clé pour vous. So a key verse is the one, the following one. Parce que face à l'accusateur des frères, nous ne sommes pas démunis. Because facing the accusers of brothers, we are not without any weapon. Apocalypse 12. Revelation 12. Verset 10, pour commencer, 10 et 11. Verse 10 to 11. Lisez, if you're reading in English, please follow along. J'entendis dans le ciel, là où notre roi est siégé et assis sur son trône, une voix forte qui disait, maintenant. Quand Dieu dit maintenant, when God says now, c'est pour maintenant. It's really now. D'accord? Maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Son Église exerce l'autorité de Christ. The church is actually exercising the authority of Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les a accusés devant Dieu même, jour et nuit. Il ne peut pas fermer sa sale bouche, cet accusateur. The accuser is talking all the time. He cannot shut his mouth. Comme ça, il souffle, il se moque, mocking, il accuse, accusing, il critique, il divise, il sépare. He's dividing and separating people and so on. Il sait très bien que si le peuple de Dieu est divisé, he knows that if the people of God is divided, il sera un peuple affaibli. It will be weakened. Mais la bonne nouvelle se trouve dans verset 11. But in verse 11 we have the good news. Comment ont-ils vaincu l'accusateur des frères? How did they overcome the accusers of the brothers? Trois choses. Three things. Déjà par le sang de l'agneau. The blood of the lamb. Chaque fois que vous prenez la Sainte Cène, each time you are taking the Holy Communion, et vous prenez la coupe, and the cup, remerciez Dieu qui par son sang, Jésus qui par son sang a vaincu l'accusateur. Thank God that through Jesus, through His blood, He actually overcame and triumphed over the enemy. Deuxième chose, second thing, la parole de leur témoignage. The word of their testimony. Ton témoignage glorifie ton sauveur, ton rédempteur, your ton champion, ton héros. Will glorify your savior, your hero, the one who actually triumphed. Et troisième chose, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. And third thing, they didn't love their life until death. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas peur de même donner leur vie. It means they didn't were afraid of giving their own life. Pour la cause de la victoire. For the, you know, for the victory. Pour la cause du royaume de Dieu. For God's sake. Pour la cause de la réputation de Jésus. And for the reputation of Jesus. Amen. Ces trois choses-là font partie de votre arsenal aussi. So these three things are part of your weapons. Amen. Donc, comment triompher concrètement de ses ennemis? So, practical way how to overcome our enemies. Et la peur, je mets dans la catégorie des ennemis. So, fear is part of the enemies. Ce n'est pas seulement le diable, c'est aussi cette peur qui veut t'accaparer. But this fear wants to take hold of you. On va regarder quelques points pour que vous puissiez mettre en pratique cette semaine, d'accord? So we're going to see some points so that you can put into practice this week. Première chose, c'est très important, Fabienne. So first thing, important thing. Demeurez au centre de la volonté de Dieu. To remain in God's will, in the center of God's will. Au milieu de son plan parfait pour ta vie. In the middle of God's
perfect will for your life. If it's raining, I'm going out with my umbrella, I'm protected. De la pluie, si from, je reste bien au milieu de ma couverture. From rain, if I remain under the umbrella. La volonté de Dieu, c'est comme ça. The God's will, it's the same way. Si jamais je sors de ce parapluie, si je sors de la volonté de Dieu, of God's will or the umbrella, je suis vulnérable. I'm, you know, vulnerable. Comme nous tous. As each one of us. Jacques 4, 7, on l'a cité tout à l'heure. James 4, 7, we quoted earlier on. Soumettez-vous à Dieu et ensuite, c'est dans cet ordre-là. Submit to God and then in this particular order. Résistez au diable et il fuira loin. Resist to the devil and he will be fleeing from you. On aime citer la deuxième moitié de la phrase, n'est-ce pas? We like to quote the second part of the sentence. Oh, il suffit de résister au diable, il fuira loin. It's enough to resist to the devil and then he will be fleeing. Mais n'oubliez pas le début de la phrase, soumettez-vous à Dieu. Don't forget the beginning of the sentence, submit yourself to God. Il est temps de s'engager et de se soumettre à sa volonté. It's time to commit ourselves and submit to his will. Même si c'est difficile, les amis. Even if it's hard. Jésus lui-même a fait ce choix Jesus pour nous. Jesus himself did the same choice for us. Oh, si seulement Père, tu peux enlever cette coupe. I said, oh, Father, just take away this cup. Mais finalement, non ma volonté. But, no, at the end, not my will. Mais ta volonté but soit faite. Your will be done. C'est ça que Jésus veut entendre de notre part. That's what Jesus wants to hear and listen from our mouth. Pas ma volonté, not Seigneur. Not my will. Mais la tienne. Lord, but your will. Montre-la-moi. Show it to parle-moi. Me. Speak to me. Conduis-moi. Just lead me. Que ce soit évident pour moi so d'y entrer pleinement. Obvious for me to enter into that. Pour que je puisse demeurer sous ta couverture. So that I can remain under your blanket, your cover. Numéro 2, ôtez les distractions, les amis. Second point, remove distractions. C'est la raison principale qu'on fait le jeûne de Daniel au moins une fois par an. That's why we do once a year the Daniel fast. Supprimer les loisirs et les choses qui nous tirent, veulent nous tirailler. To remove all distractions which are taking away from God's presence. 2 Timothée 2. 3 to 4. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Qui veut être un bon soldat? Who wants to be a good soldier of Christ? Eh oui, je vous promets, la chair va souffrir. Then the flesh will suffer. Eh oui, mais normalement, la chair est censée être clouée à la croix. But normally, the flesh should be nailed on the cross. Souffrez avec moi comme un bon soldat de Jésus. Il n'est pas soldat qui s'embarrasse ou qui se charge des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Qui veut plaire à Dieu? Who wants to please the one to eh ben voilà la clé, mes amis. That's the key here. Ne pas laisser toutes ces choses du monde nous accaparer. Don't let all the things, the worldly things, to come over us. Parce que ce sont des choses du monde qui étouffent sa voix. Because actually, you know, stopping his voice et qui cachent son cœur. And actually hiding his heart from us. Un bon soldat va pas s'impliquer dans les affaires de banal. A good soldier will not take care about the civilian things or affairs of life. Le cas des réservistes en Israël. For example, the case of the reservists in Israel. Ils étaient appelés à se joindre à nouveau à l'armée. They were called to join again the army. Ils ont quitté leur confort. So they left their home quitté and leur comfort famille. And their families. Pour certains venant de l'étranger, quitter leur pays. And some of them came from abroad and so they left quitter their country. Quitter leur profession, leur métier. They left their official task pour se mobiliser. To get mobilized there. Dans ce combat pour leur pays. And in this fight which is actually in their land right now. C'est un exemple pour nous. That's an example for us. Dieu fait appel à ses réservistes. Now God is calling his reservists. Ceux qui se cachent pour le moment the dans one actually leur hiding confort. Right now in their comfort. Dieu dit levez-vous, mobilisez-vous. God said just stand up and get mobilized. C'est pas la peine de cherchez la souffrance. La souffrance va vous trouver. Ne vous don't inquiétez look for pas. Suffering. The suffering will find you. OK, anyway. On va clôturer. Point numéro 3. Third point. Très important. Very important. Dans le combat spirituel.
So in the spiritual warfare. Attends les directives du Seigneur. Wait for God's instruction. Je vais en parler en détail pour clôturer mon message. I'm going to give you some new, more details. Mais finalement, c'est Dieu seul qui connaît la meilleure stratégie pour gagner God ta terre promise. God is the only one who knows the right and specific strategy to win the fight. Le peuple de Dieu avait une stratégie pour Jéricho. God's people had one specific strategy Jericho. Pour la deuxième ville, Aï. Another one to take Ai the second time. Ils ont gagné Jéricho parce qu'ils ont obéi they les directives. In Jericho because they followed and obeyed the instructions from Mais God. Mais ils ont seulement partiellement obéi aux directives du Seigneur pour Ai. But they only partially obeyed the instructions from God to take Ai. Et c'était la catastrophe. And it was a disaster. Donc chaque domaine où Dieu veut que tu prennes possession. So in each area when the Lord wants you to possess. Il y a une stratégie bien précise. There will be a specific strategy for that. Dis à ton voisin, tu peux entendre sa voix pour les stratégies. Amen. Tell to your neighbor, you can hear God's Evelyn, strategy for toi. Your life. Toi aussi, ta famille aussi. 2 Chroniques 2, 21-22. 2 Chronicles 2, 21-22. C'était encore l'histoire de Josaphat où il a mis quoi les adorateurs devant l'armée. That's the story where Josaphat put all the praise and worshippers in front of the army. C'est une stratégie précise. That's another specific strategy. Pour renverser les forteresses. To overthrow all the fortresses. Fortresses. Yes. Et pour abattre les auteurs. And every you know, high thing. And just break down everything. Yeah. Donc. C'est pour ça. Ne soyez pas étonnés. Chaque fois que nous avons un appel à l'intercession, on commence par l'adoration. So don't be surprised. Each time we actually are praying, we start with a praise and worship. Quatre. Fourth point. Comprends bien ta juridiction, mon ami. Understand your jurisdiction. Tu as une juridiction spirituelle. You have a specific spiritual jurisdiction. Qui vient de Dieu. It's coming from God. C'est le domaine précis où ton autorité doit être exercée. And in this particular area, your authority has to be exercised. Un exemple de Deutéronome 2:9. We have an example in Deuteronomy 2:9. L'Éternel me dit, n'attaque surtout pas Moab et ne t'engage pas à un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. Il a dit à cette tribu, c'est pas à toi de confronter Moab. Pourquoi? C'est aux enfants de Lot. They do not attack Moab because he said it belongs to Lot and his descendants. Cette portion est réservée pour quelqu'un d'autre. This portion is for somebody else. Tout comme la terre d'Israël était divisée, chaque tribu avait sa portion. Same way, Israel was divided into different inheritance for different tribes. Donc quand Dieu dit va au combat, when on y Lord va. Says, go to the fight, we go. Mais si jamais il dit non, n'y va pas, c'est pas ta place. N'y va pas. If he says no, it's not your place, don't go. D'accord, soyons sages. Be wise. Soyons à l'écoute. And listening. Soyons conduits par le Saint-Esprit. And be led by the Holy Spirit. Et cela va assurer la victoire. So that we can reach the victory. Un autre principe, numéro 5, ne mène pas le combat seul. Another principle, do not wage war alone. Paul, l'apôtre, a parlé de ses compagnons de combat. Even Paul spoke about his fellow workers. Il y avait Épaphrodite, par exemple. For example, Epaphrodite. Il y avait Archip. Archippus. Ok, donc nous nous réunissons exprès pour que tu ne restes pas seul dans ton coin pour faire le combat. So we're gathering all together so that you are not alone in your own corner to wage war. Il y a alone. Une puissance dans cette unité. There is a power in this unity. Et vous savez, même un tireur embusqué, ça se dit comme ça, and even a sniper fait partie is part of a team. D'une unité, d'une équipe. Il ne fait pas tout seul son truc. He's not doing his okay. own thing alone. Maintenant, dernier point et on arrive à la Last conclusion. Point. Le plus important Most de important. Tout cela. Mon ami, réalise qui habite en toi. Realize who lives in you. Celui qui a vaincu les mensonges. The one who actually overcome lies. Qui a vaincu l'accusation. Overcomes accusers. Qui a vaincu l'ennemi. And overcome the enemy. Qui a vaincu la moquerie. And he overcame a mockery. Qui a vaincu le péché. And he overcame sin. Qui a même vaincu la mort. And even he overcame death. Habite en toi. In you. Si tu te tais,
If you just shut up, il ne peut même pas parler. He cannot even speak. Parce qu'il veut se servir de ta bouche. Because he wants to use your mouth. Si tu te recules, if you are just stepping backwards, il ne peut pas se révéler. He cannot be parce revealed que tu te caches. Because you're hiding yourself. Ne crains pas le combat spirituel. Do not fear the fight. Connais de plus en plus celui qui habite en toi. Know more and more the one who is living in you. 1 Jean 5. 1 John 5. 3 à 5. 3 to 5. Je vous donne des devoirs. I give 3 you some homeworks. Parce qu'on n'a plus de temps. 3 verses, we have no more time. Deuxième verset, 1 Jean 3, 8. And 1 John 3, 8. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres de l'ennemi. The Son of God came to destroy the works of the enemy. Et 1 Jean 4, 3 à 4. And 1 John 4, 3 to 4. Est-ce que vous avez noté? Have you written them down? Faut-il que je le redise, oui ou non? I repeat them. Okay. Tout le monde a compris. Donc, finalement, les paroles de Jésus, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. And eventually, do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Ton corps n'est que la tente, l'habitation. Your body is just a tent, the dwelling place of God's presence. Tout cela pour dire, mes amis, que le combat spirituel est une réalité. Everything this to say that the spiritual warfare is a reality. Dans la vie chrétienne. In Christian life, mais Dieu a pourvu tout le nécessaire. That God provided for all the necessary things for pour us. Pour son peuple d'émerger victorieux. So that His people will overcome and be victorious. Nous n'avons aucune raison de craindre le combat. We have no reason to fear the fight. Et je vous partage un secret. And I share with you a secret. Je l'ai découvert cette semaine. I discovered this week. Le lieu le plus protégé dans l'univers. The best protected location in the whole universe. C'est devant son trône. And it's in front of his throne. Et je vais peut-être en parler en novembre pour la rosée du matin. And perhaps I will talk about it in November for the morning dew. J'aimerais clôturer avec 3 points d'action. I would like to finish now with 3 action points. Le combat spirituel, c'est pas une question de prier en langue à haut volume. Spiritual warfare is not just praying aloud in tongues. C'est une question de connaître et d'exercer son autorité. It's a question to know and put into practice your authority. Donc Dieu agit dans le combat actuellement dans 3 God is actually moving in the fight in 3 different areas. On va dire 3 points d'action and pour être plus clair. Action plan, yes, bien sûr, point. Premièrement, prière, intercession. The prayer, intercession, first point. On en a parlé tous les jours à 15h. We talk about it every day at 3 o'clock. Avec l'ambassade chrétienne, nous sommes dans la prière et l'intercession. With the Christian embassy, we are praying all together. Et tout est traduit en français, mes and amis. And everything is translated into French. Un grand merci à Catherine et Fabienne qui s'en occupent. Et Pasteur Catherine. Mais il n'y a pas de raison, sauf si vous travaillez, de ne pas y participer. So if you are not working, please take part of it. Les samedis, tous les samedis à 19h. And every Saturday evening at 7 prière, o'clock. Intercession. Prayer and intercession again. Mes amis, il n'y a plus d'excuses. So no more excuses. Il y a des moments prévus dans le calendrier de Dieu pour se réunir dans la prière. There are times in God's calendar to get ready and get together to pray. Donc, branche numéro 1, la prière. Branche numéro 2. So first point was prayer and second point is l'investissement. To invest yourself, to commit yourself. Je parle des finances là. I'm talking about financial investment. Comme on vous a annoncé dans la e-news, nous allons recevoir une offrande. As announced in the e-news, we will be receiving an offering. À la fin de la prédication. At the end of this preaching. Destinée à aider Israël, nos frères. And this particular offering will be sent to our brothers and sisters in Israel. Cet argent sera envoyé à l'ambassade chrétienne. Will be sent to the Christian embassy. Pour fournir des gilets pare-balles, par exemple. Pour les soldats. Les réservistes n'en ont for pas. For the equipment of soldiers, because all the reservists they don't have any equipment, military equipment. Pour fournir la nourriture pour les réfugiés. For all the food for all the refugees. Acheter des ambulances. To buy some pour ambulances, aider les blessés. For example, to help plein de choses. On a une dizaine de projets. So we have 10 different projects. Et le Saint-Esprit fait appel à l'Église de Jésus-Christ mondiale. And the Holy Spirit actually calling forth the whole church, worldly speaking. À participer. To take part of it. Dans ce combat. In this particular fight. Par nos finances. By, through our finances.
Troisième point, troisième branche. Third point of action. La solidarité. Solidarity. Je vous donne un exemple. I'll give you an example. Cet après-midi, à 18h, à la place de Fontenoy, si tu veux afficher la pub, s'il te plaît. This afternoon at 6 o'clock in the evening at the place de Fontenoy. Nous allons nous associer aux étudiants juifs so en we'll France. Be together with Jewish students in France. Avec Juifs pour Jésus. With Jewish for Jesus. Avec l'ambassade chrétienne internationale, la branche française. The French International Embassy. Moi, je compte y aller avec Philippe, Assina, so Catherine, plein de monde. There with seven people. Et c'est une opportunité d'exprimer vous aussi votre solidarité. So it's an opportunity to show your solidarity. Amen. Des actions parlent plus fort que les mots. So actions usually speak louder than words. Ma prière, c'est que notre témoignage soit semblable à celui de l'apôtre Paul en Actes 20, 24. My prayer that our testimony will be the same as Paul in Acts 20, 24. Je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie. I'm not taking care, you know, about my life. Comme si elle m'était précieuse. As if my life was precious to me. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. As long as I can go and do the run I have in front of me. Et le ministère que j'ai and reçu the ministry de la part du I received from the Lord. Levons-nous tous, s'il vous plaît. So please stand up. Avant de recevoir l'offrande, on va renoncer à certaines choses. So before receiving the offering, we're going to renounce certain things. Et nous allons le faire ensemble parce que par moment, nous sommes tous confrontés à ces choses dans nos âmes. And we're going to do all together because from time to time, we are all facing this in our souls. Donc, je vous invite à répéter après moi une prière vraiment sérieuse. I invite you to repeat after me a serious prayer. Et une prière authentique. And a true and authentic prayer. Appliquez-vous à cette prière just par la foi. Put all your heart in it by faith. Dieu ne cherche pas des perroquets, d'accord? The Lord is not looking for parrots. Fermons les yeux, levons nos mains. So just close your eyes and raise up your hands. Et dites simplement aujourd'hui, merci Seigneur pour ta présence. I said, thank you Lord for your presence. Merci pour ta parole. Thank you for your word. Merci pour ta puissance. Thank you for your power. Merci pour tes promesses. And thank you for your promises. Merci pour cette armure importante que tu nous as donnée. Thank you for this full armor you actually gave us. Et merci pour l'autorité dans le nom de Jésus. And thank you for your authority in the name of Jesus. Je me lève aujourd'hui. I'm standing up today. Avec mes frères et sœurs. With my brothers and sisters. Et je renonce maintenant. And I renounce today. À cet esprit de peur. To the spirit of fear. Et tout mensonge qu'il a alimenté. And I renounce to every lie which actually this spirit fed. Je renonce à cet esprit d'intimidation. And I renounce to the spirit of intimidation. Et à tout mensonge qu'il a alimenté. And every lie which actually came from him and fed. Je renonce maintenant à l'esprit d'indifférence. And I renounce as well to the spirit of indifference. Et à tout mensonge qu'il a alimenté. And to each and every lie which actually came from that. Il faut dire la deuxième partie. Et à tout mensonge qu'il a alimenté, dites-le. And to every lie which actually was fed from this spirit. Je renonce à la passivité. I renounce passivity. Et à tout mensonge qui a alimenté la passivité. And to every lie which actually was fed from this passivity. Vous allez ressentir maintenant les chaînes tomber. You're going to feel the chains breaking. La lourdeur s'en va. And the heaviness just goes de away ton âme. From your soul. Parce que tu refuses de tolérer et justifier cette lourdeur. Because you refuse to tolerate this heaviness. Et ces esprits qui t'ont accaparé. Actually took over you. Et maintenant, Seigneur, dites-le. And now, proclaim. Je saisis mon autorité en toi. I grasp and take hold of my authority in you. Et je libère ta présence en moi. And I set free and release your presence in pour me. Pour faire le bon combat de la foi. To lead the right fight of faith. Avec la juridiction que tu m'as donnée. With the jurisdiction you actually gave me.
et avec les armes spirituelles que tu as pourvues. And with the spiritual weapons you gave me. Et je m'engage. And I commit myself. Par ta grâce. By your grace. À ces trois branches d'action. Into the three different action plans. Je m'engage à la prière. I commit myself to prayers. Je m'engage à l'investissement. I commit myself to financial investment. Je m'engage à la solidarité. And I commit myself to solidarity. Et je crois de tout mon cœur. And I believe from all my heart. Que tout cela c'est pour ta gloire. It's everything will be for your glory. Pour ton royaume. For your kingdom. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Est-ce que nous sommes ensemble, frères et sœurs, are we dans all cette together démarche? In this yes. Actions. Actions. Remercions donc le Seigneur et j'invite à Pasteur Jean-Pierre à prendre la suite. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois ton nom.